Voilà. Donc je vous laisse avec Mr. George Fred. Yeah. N'en jetez plus. Alors, moi, mon rayon, vous savez que je suis pas un technicien hors pair de la guitare, j'ai un jeu plutôt basique. Et donc, mon rayon, c'est plutôt le son. C'est-à-dire que, si vous voulez, moi, quand j'ai commencé, je me suis dit, tu joueras peut-être jamais comme, Hendrix, Vai, j'en sais rien. Mais il y a deux trucs que tu peux faire, c'est d'avoir un bon look, c'est fait, voilà. Et d'avoir un bon son, et ça c'est toujours en perpétuelle évolution, mais plus sérieusement, je me suis très très vite attaché à avoir le meilleur son possible, et donc forcément, à partir de ce moment-là, on s'intéresse au matos, normal. Et à partir du moment où on s'intéresse au matos, un jour, il y a un type qui vous dit « Tiens, tu ne voudrais pas faire des essais pour mon journal, etc. Voilà. » Et donc, je me suis retrouvé finalement à une grande partie de ma vie, je me suis intéressé au matos à partir de 84-85, et j'ai commencé à écrire des essais en 90-91, vous voyez, donc voilà. Et c'est pour ça, en fait, qu'on m'aime bien, c'est parce que ça fait longtemps que je suis là. Vous voyez, c'est comme, c'est comme les vieux meubles, ils sont là depuis un moment, donc finalement, il y a un attachement comme ça.